Bon, on a continué. Et là, parler de la baie de Fort Liberté. Pour qui ça a été bâti dans la position, ça, c'est juste pour défendre la côte. Parce que c'est une zone à cette époque coloniale qui était comme café, cacao, canne à sucre, coton, campèche, pit, l'or. Alors, ça, c'est baie de Fort Liberté. À n'importe l'ennemi, n'importe bateau, voie maritime qui a venu Fort Liberté, il n'y a pas de l'autre côté pour entrer. Son celle-ci entre, c'est dans deux prêts qu'on a gardé là, c'est là pour entrer, c'est là pour sortir. Lorsque vous êtes sur la mer Atlantique, vous passez par deux bouts de terre, vous pouvez commencer par un caracol, car par ici, pour deux pelles, vous êtes sur l'Amérique du Nord. Ou bien descendre encore, vous êtes sur l'Amérique du Sud. Et sous le bout de bois de terre, ça, dernier point de sortie, vous avez là, son l'autre fort, encore le fort la boue. Sous Faustin Ier, vous avez fait servir prison d'État bâti en 1737. Nous avons tant que ça, vous avez gardé là, son c'est des tanks sous plantation dauphin. Les failles tondées, racquées qu'on plante pite. C'est là où tu fais pas. C'était 3 tanks, yon pour gasoline, yon pour gazo, yon pour mélasse. C'est en 86, yon accompagne son taxe, son crédit dépassé, puis yon quitte tout le monde abandonné. Yon vient quitter le système pit là tout. En dans de Fort Liberté, yon 5 îles en dedans. Nous avons plus gros îles là, nous avons gardé ça, ça sont îles. À cette époque coloniale, yon était les îles Bayou. Il était des démérantes sous les. Par des chasseurs français, les boucaniers, les flibisseurs, qui ont démérés sous ces îles ça. Des chasseurs français. Nous avons encore moyen de s'arrêter et gagner. L'autre député, ça nous pas d'informations sur nous. Ça, c'est une zone pour aller dérap, ça, c'est une zone pour aller faire. Après ça, n'importe ça qui est venu en Dambéa, c'est là pour entrer. C'est là pour sortir. Pas de l'autre route. D'accord. Merci, et puis nous descendons. Okay, ok. Bon, 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 bon
Mesdames, messieurs, faut que moi dis non, c'est un fort qui gagne en pile belle histoire tant que nous étendons. Et nous pensons que c'est un espace qui mérite visiter, que vous ne pouvez pas négliger et venir visiter, puisque il fait partie des patrimoines historiques et touristiques que nous gagnons dans le pays qui est encore en vie. Donc c'est à nous de faire forcing à ce que nous sommes capables de toujours préserver. Allez, on va prendre la main.